Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie ivoirien, au siège de Solins, filiale de Solangol, à Luanda, en Angola. Le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly est en Angola sous invitation de son homologue angolais. Une invitation sollicitée lors de la visite d'État du président angolais en terre ivoirienne. La présentation de la société pétrolière est faite à la délégation ivoirienne pour mieux connaître le fonctionnement, les domaines d'intervention et les activités de cette structure nationale. Nous sommes des pays africains et c'est un plaisir d'avoir le ministre ici pour voir un peu qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut faire si on travaille ensemble et faire donc la même chose qu'on a fait ici, on peut faire aussi en Côte d'Ivoire ensemble. Mamadou Sangafoua Koulibaly inscrit sa présence dans le cadre d'une visite pour s'imprégner du modèle angolais, mais aussi pour découvrir l'expertise et partager l'expérience de ces pays amis dans les domaines du pétrole et du gaz. C'est une société qui est totalement perdue. Ces angolais, 99%, ça veut dire plus de parce qu'on a 30 ans pour transférer l'expertise, même le savoir-faire. Et nous sommes heureux dans le cadre de la coopération sur ce. Une visite guidée en véhicule a permis au ministre et à sa délégation de voir de plus près les installations et l'étendue de la plateforme pétrolière. Le ministre des Mines et du Pétrole et de l'Énergie prévoit des conventions entre les deux pays. La délégation ivoirienne conduite par le ministre a visité. Par la suite, le ministère des Ressources minérales, du pétrole et du gaz angolais. Le cabinet ministériel de plusieurs étages regroupe tous les différents services, des salles de conférence et de formation.